Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben, dis donc. La ferme. Oh merde! C'était quoi ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Ah! 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 Ah!
Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. J'en vois pas, mais ça veut rien dire. Je crois qu'il faut qu'on descende. J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Bah des dessins alors. Genre un pied qui trébuche sur un fil et après... un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir entre survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Quand même, ça peut être dangereux. C'est bien plus dangereux de rester seul. Imagine qu'il se blesse. Imagine qu'il tombe malade. Et imagine que quelqu'un d'autre se blesse ou tombe malade. Ça fait un poids en plus à porter. Et au final, ça fait qu'empirer les choses. Ouais, c'est vrai aussi. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout? Tu crois qu'elle a un rapport avec les wolves? Je sais pas. C'est trop bizarre. Putain de merde. Ils ont été tués par balles. Regarde. C'est celui de Tommy. Oh. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste... l'odeur. Oh. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, y a pas eu de guerre civile à Boston.
Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Je vois pas de Wolf. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle, eux aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. C'est bien bloqué. Bon, ok. On passera pas par là. Stop! Un piège. Oh, merde! Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Je parie qu'il a pris ce chemin. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Thank you.
Tiens, ici aussi. Tiens, ici aussi. C'est la station télé. Je crois pas qu'on puisse le contourner, celui-là. Bouge pas. Doucement. Comment tu veux qu'on passe sinon? Tu crois que quelqu'un a entendu? C'était pas discret. Ouvre bien l'œil. Merde. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher? Pas ici. Fais pas dans la discrétion, là. Peut-être que Léa viendra jusqu'à nous, alors. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Thank you.
On y est. Plus un bruit. À l'air désert. Je me méfie. Tu vois une entrée? Pas encore. Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois? Viens, on entre. Fais attention. Ellie, t'en penses quoi? Non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Je sais pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes.
Encore ce graffiti. C'est qui, ces gens? D'autres ennemis du WLF, on dirait. Ils ont l'air bien barrés, en tout cas. Amène-toi. Par là. Par là. Cadavre là-haut. Merde. J'aime pas ça. On est trop à découvert. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais sois prudente.
C'est quoi ça? C'est elle. Léa. T'en es sûre? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Dina. C'est des photos d'eux. Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. C'est elle. Celle qui l'a tué. De moins, pas vrai. Trois de moins. Si, 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 le secteur 2, vous me recevez? Unité de soutien India en route vers la station télé, je répète. Unité de merde. Soutien India en route. Ouais, terminé. Faut qu'on se tire d'ici. Bon. Elle est morte. Comment tu te sens? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à parler. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour le torturer. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevé. Je comprends. Tu veux qu'on se plante quelque part pour examiner ses affaires? D'accord. On va avancer dans le centre-ville et trouver un endroit où se barricader.